Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit haul. Un haul un peu différents magasins en fait. Donc il y a du Action, du Noz, AliExpress et même Leclerc. Donc dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'attendrais une semaine avant d'aller chez Action. Non en fait. Donc j'avais besoin d'une alarme incendie. D'une alarme incendie. Donc j'ai trouvé chez Action. Je m'en doutais que j'allais en trouver pas trop cher. Donc je l'ai acheté 3,99 €. Voilà. Ça, il y a les piles incluses dedans. Donc ça, c'est pas trop cher. Ensuite, j'étais au rayon multimédia et j'ai trouvé cet article. Parce que là, pour l'instant, je filme avec mon téléphone qui est sur un petit trépied. Mais comme je vais faire des tutos cartes, albums, je voulais pouvoir filmer du dessus. Donc j'ai acheté ça et je vais voir si. Ben, je vais l'ouvrir après avec vous et je vais tester pour voir si ça supporte le poids d'un portable parce que le mien il est assez lourd. Donc je le mets là pour l'instant. Donc ça, je l'ai acheté 3,99 €. Donc ensuite, bon, ça c'est pas du scrap non plus, mais voilà, j'achète ce bain-douche Nivea parce que c'est une grosse bouteille hein, de 750 ml et qu'elle est beaucoup moins chère à Action qu'ailleurs. Je l'achète 3 euros, hein, 2,99 €. Donc ça c'est pour Action. Ensuite, je suis allée refaire un petit tour chez Noz parce qu'il y avait des annonces d'arrivage. D'articles Gorgeous, de tampons, de papier, enfin pas Gorgeous mais d'une autre marque, de tampons, de papier, etc. J'ai rien trouvé de tout ça, hein. Il n'y avait quasiment rien. Par contre, j'ai trouvé, j'avais acheté il y a quelques temps des dyes et il y avait un petit dyes abandonné dans le fond dans le fond d'un rayon. Et bon, il m'a fait de l'œil. Hein, je l'ai pris. Il était à 2,99 €. Donc j'ai fait un petit test hein, pour vous montrer. Voilà, il est composé de trois parties. Donc il n'est pas en un seul bloc. Hein. Il y a le petit cercle du milieu. Le dies juste ici de la silhouette. Et le troisième bloc. J'ai fait un test pour vous. Sur du papier blanc, ça doit être du 180, je crois. Voilà ce que ça donne. Ça coupe assez bien. Hein. Par contre, j'ai fait un aller-retour. Je ne sais pas si on voit, mais tout autour ici, il y a des tout petits points. Et ici aussi, c'est vraiment joli. Il y a des petits points un petit peu partout. Je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer. On voit un petit peu, mais elle est vraiment jolie en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un article sans gluten. Bon, ma fille prend du sans gluten. Et en ce moment, chez Noz, il y a des articles dont la date va bientôt expirer. Beaucoup moins cher, hein, parce que sans gluten, comme vous le savez, c'est pas donné. Donc là, c'est de la marque Char. Je vous montre. Voilà. Et c'est des gâteaux chocolat noisette à 1,29 €. Ça, c'est pas du scrap, mais bon. Et ensuite, pour celles qui, comme moi, aiment tout ce qui est gorgeous, j'ai trouvé ceci au Leclerc. Donc ce petit album, il y a des images à colorier et des stickers. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est des autocollants. Non, je sais pas si c'est autocollant. Non, je crois, enfin, je sais pas trop. Je vais essayer d'en décoller un. Regardez si c'est autocollant ou si c'est juste des die cuts. Non, c'est bien les autocollants. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. Il y a en tout. Ils appellent ça des gommettes. Hein. Il y a 300 gommettes et 30 coloriages.
Et j'ai acheté ça à 6,60 €. Je l'ai trouvé dans le rayon où il y a tous les stickers Panini, etc. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon fils qui fait du bruit dans le fauteuil qui est juste derrière, qui voulait rester avec sa maman. Il fait un petit peu de bruit sur le cuir du fauteuil. Elles sont superbes, ces petits stickers sont superbes. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a des petites, mais un petit peu plus grandes. Alors, ensuite, c'est du coloriage. Alors, bien évidemment, moi, ce que je vais faire avant de les colorier, je vais les scanner pour les avoir sur mon ordinateur. Et ensuite, je pourrais les imprimer avec mon imprimante laser à la taille que je veux. Donc, je pourrais m'en servir pour faire pour les colorier et pour ensuite les détourer et pour m'en servir pour des cartes. Ou même directement les imprimer sur un fond blanc et sans les détourer, juste bien les colorier correctement et les coller sur une carte. Elle est très jolie. Je vais peut-être pas toutes les montrer hein, parce qu'il y en a beaucoup de pages. Il est épais, hein. Je vais en montrer encore quelques-unes. Ah, celle-là, j'adore en plus. Elle est trop mignonne, celle-là. Voilà, je les montre pas toutes. J'en passe quelques-unes. Voilà. Voilà, je vous montre un peu mieux. Montre derrière. Je vais vous montrer le code barre pour celles que ça intéresse. Je sais pas si ça se voit bien ou si ça. C'est trouble. Voilà. Donc c'est tout pour les achats. C'est déjà bien. Donc je vais ouvrir avec vous. Arrêtez de faire du bruit, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu veux faire coucou? Non, non. Hop là. Moi je fais du bruit aussi. Donc, regardez comment ça fonctionne. Moi, ce que j'avais peur en fait, c'est que le flexible ne tient pas correctement mon. Oh, ça a l'air solide. Hein. Oh oui, ça. Oh oui, c'est vrai. C'est flexible, mais c'est costaud. Hein. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ça. Ah, par contre, il risque d'avoir un problème, c'est au niveau. Moi, je voulais le poser sur mon bureau, ici, sur le côté du bureau. Mais comme vous pouvez voir, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, il faut que je regarde. Alors, est-ce qu'il y a une notice? Eh non, même pas. Donc, alors que je regarde sur le côté de la boîte. Alors. Oui, c'est bon, ça va aller. En fait, ça se dévisse. Enfin, en théorie. Alors, si j'arrive déjà pas à dévisser le bout là, ça va pas être facile.
Bricoleuse du dimanche, c'est horrible. Ben alors, est-ce qu'il y a une vis à l'intérieur? Je ne vois pas du tout. Non. Bon. Est-ce que c'est comme ça? Eh ben, ça promet. Alors, instruction, mode d'emploi. L'important, c'est bien ce que je fais. Ah ben, vous êtes en train de vous dire sûrement que je suis pas vraiment une douée, hein, mais. Je ne sais pas du tout comment ça se dévisse. Je vais tout dévisser. Hein. Ah, voilà. Donc il faut tout dévisser. Faut le mettre un peu droit pour pouvoir passer ça comme ça. Et pour pouvoir tout dévisser. Effectivement, la notice n'est pas du tout expliquée. Hein. Donc, pour pouvoir filmer, je pense que je vais le poser. Alors vous n'allez pas le voir malheureusement, mais je vais essayer de le poser en haut. Hein. J'ai un bureau. Je sais pas si. Alors, désolé pour le mal de mer. Vous voyez, j'ai un bureau avec un dessus. Oh là là. Donc moi je le poserai là-haut. Hein. Donc voilà. On va laisser tomber ça pour l'instant. Pardon pour le bruit. Ensuite, pour fixer le téléphone, donc là, ça doit pouvoir. Voilà, c'est extensible. Hein. Donc j'ai essayé, j'ai chipé mon vieux téléphone que j'ai donné à mon fils. Voilà. Voilà, normalement, c'est indiqué. Hop là, je l'ai allumé. Vous voyez, c'est indiqué hein, pour téléphone et tablette. Donc c'est. C'est très flexible. Ensuite, on dévisse. Et on revisse. Ici, dans le haut dos. Donc c'est bien rotatif. Hein. Et en posant sur le bureau, je vais voir si. Bien fixé. Par contre, c'est un petit peu, et ça risque de bouger. Hein. J'ai pas intérêt à trop bouger le bureau. Alors que j'essaye de filmer. Je peux peut-être aussi le poser ici. Je vais faire un test. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour voir si ça bouge pas trop. Ça va aller, merci. Voilà. Ah, attendez. Voilà, je vais le tenir ici et je vais voir. Attendre 10 petites secondes. Le problème, c'est que comme je le tiens avec la main, voilà. On va regarder ça tout de suite. Ça gigote un peu. Hein. Je vous montre. Hein. Voilà. Ça gigote, mais pas trop. Donc je ferai un test. Hein. J'essaierai de le fixer sur une partie de mon bureau. Après, c'est un bureau qui est assez costaud. Donc je ne devrais pas bouger trop. Sinon, j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus stable. De me mettre sur quelque chose d'un peu plus stable pour pouvoir ne pas vous donner le mal de mer pendant les vidéos. Tu peux reprendre ton téléphone. Merci beaucoup. Merci. Attends, on dévisse. Ah, tu
Tu m'as pas écouté pendant que j'expliquais? Voilà. On dévisse. On dévisse ici. On tire. Et voilà. Merci. Bonne vidéo. Merci, à tout à l'heure. Voilà. Vous aurez eu la possibilité de voir un petit peu mon fils. Hein. Donc, il s'appelle Thomas et il a 9 ans. Et c'est un vrai geek. Hein. Il adore tout ce qui est téléphone, ordinateur, jeux vidéo. Comme son papa d'ailleurs. Donc, pendant qu'ils sont dans la salle à jouer, moi je peux se rappeler tranquillement. Donc voilà, je pense que je vais. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire un tuto, sûrement une carte. Ah, j'ai oublié. J'ai reçu une planche de tampon, AliExpress. Petite maison. Et aussi. Alors, je vais vous montrer. Je pense que je vous montrerai aussi mon système de rangement. Vous voyez, j'ai rangé tous mes tampons dans une caisse que j'ai triée avec des. Donc là, tous mes tampons sont rangés par. Bon voilà, j'ai par exemple tout ce qui est tampons faits, tampons de fond, messages, animaux, personnages, fleurs. Décors, objets divers, Noël, hiver. Donc là, ce petit tampon, j'ai déjà préparé la feuille. Hein, moi, je l'ai. Voilà, je tamponne sur une feuille et après je plastifie. Donc c'est pareil, je pense que je ferai un tuto hein, pour vous expliquer comment je fais. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est très joli. Et j'en ai reçu un autre. Hein. Pareil, j'ai déjà préparé. Ce sont des tampons AliExpress, hein. Des constellations, des petits messages, des étoiles. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, le tampon c'est un peu moins de 2 euros. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je le mettrai en barre d'infos. Ou je vous enverrai en commentaire les liens pour les commander. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, je pense faire un tuto. Ça va être juste ce week-end parce que on fait un déménagement. Pas nous, hein, mais notre fille déménage. Et donc je reprends le boulot lundi. Donc le prochain tuto, si vraiment j'ai le temps, si j'ai le courage, si je suis pas trop fatiguée, peut-être ce week-end, dimanche. Ou la semaine prochaine. Et bon ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à vous inscrire si pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Au revoir à tous.